Ignition. Bonsoir. Ignition over there. Bienvenue dans cette Oligo League. Eh bien, le cast dominical, bien sûr. Votre dose de SC2 journalière. Tout à fait. On rappelle que du coup, demain, eh bien, c'est Underdog. C'est quoi cette tête avec là? Avec les califs. On dirait un truc du Cucuxlan, papy. Ça fait quand même mauvaise ambiance. Qu'est-ce que c'est que ça, mec? C'est, on dirait un lutin du Père Noël, effectivement, mais un lutin qui a pris du crack un peu trop. Qui est complètement sous méthamphétamine. Et il s'agit de notre joueur indien, 2000 Love, voilà, avec un pseudo Seoli Yoon, mais 2000 Love quand même. Alors on s'est un peu renseigné, normalement ce n'est pas Yoon hein, les amis, c'est donc 2000 Love, donc qui serait, tu m'as dit qu'il y aurait un joueur indien ? Donc un joueur indien les amis, donc je ne savais pas qu'il y avait des joueurs indiens Starcraft 2, tu me diras Starcraft 2 doit être joué partout dans le monde, il faut juste attendre que chacun des... 2000 Love, 2000 Choco. C'est ça. Un des deux. Et du coup de l'autre côté, déjà de la Team Liquid que lui on connaît bien, HyperX, sponsor de la Team Liquid. Ouais. Et voilà la, bah, le patron qui va partir CC First. Comme on l'appelle. Hein. Ouais. Un dieu, un monstre, un génie. Voilà. Clairement. Teja le skill que vous connaissez bien et qui du coup va eh bien, donner du fil à retordre à notre ami 2000 Love. 2000 Love qui a posé sa hatch first. En face, vous avez pu voir que c'était un gros CC first des familles. Intérieur, on devrait avoir à la production le baraquement qui devrait s'afficher. Et puis du coup, le deuxième gaz à 16, vous connaissez, pour pouvoir avoir la factory assez rapidement. Qui devrait partir, voilà, parce que là, il fallait attendre les 75. Donc parfait, un petit départ assez tranquille entre les deux joueurs. Tranquillou. En toute honnêteté, attention à 2000 Love. Qui joue un monstre de Starcraft 2, ouais. Un monstre de la race Terran, un mec qui, tu toussais là ou tu rigolais, tu toussais un monstre qui va se faire scouter ici, qui va scouter également la position de son adversaire, Liquid Teja, du coup, qui en déduit la position de demi-love. T'imagines quand même, 3 games sur cette map, 3 fois close pas au sol, hein. Ouais. C'est marrant ça. Hein. Ce n'est pas anodin, je suis d'accord. Et du coup, 2 premiers Zerglings envoyés par 2000 Love et ça va venir gratouiller le gaz. Ça part macro hein, chez le joueur Zerg, tranquillou, tranquillness. Et de son côté, eh bien, Teja qui a scouté, qui voit eh bien, tout simplement que ça va être en close position. Et donc, il pourrait avoir envie de venir faire un push un petit peu énervé. Ouais. Avec, voilà, peut-être du Battle et Lyon, du Maraudeur, on aime bien aussi. Marine, ouais. Battle et Lyon, on sait que ça tape bien comme timing. Il aurait pas mal le choix, il pourrait s'amuser à par exemple ne pas faire une B3 rapide et faire plutôt quelque chose de plus agressif sur deux bases. Ça pourrait être un choix de la part de Teja, c'est ce qu'on va voir incessamment sous peu. Là déjà, il faut qu'il envoie sa factory, ce qui vient d'être fait, pour avoir ses premiers tourmenteurs. On peut voir que ces 4 Zerglings ici vont arriver assez rapidement. Alors on a quand même 2 Marines en face et on a le bunker qui est en cours. Donc normalement pas de problématique. Non, ça devrait le faire. Mais bon, ça va venir scouter en tout cas le contenu de ce wall et... Si c'est à gauche là, les Zerglings, ils vont pouvoir passer easy. Ouais non, bien joué. Ouais, il aurait pu passer. Mais bon, ce ne sera pas le cas. Du coup, pas de problème pour le moment. Teja qui va sécuriser sans trop de soucis. Qui a payé son, ouais, son dernier sans dépôt. Trop de soucis. Ça coûte cher quand même. Ça coûte cher. Ça c'est 300 de minerais qu'il aurait... préféré dépenser plus tard, mais bon, c'est des supplies, c'est pas perdu. Et de son côté, Teja du coup qui continue sur son développement, qui va envoyer le spatioport, ouais. Probablement du Hélion ici, et ça part Hélion Banshee standard ouais. Pour notre ami Teja. Allez, Charid. Snarid, ouais, merci beaucoup Snarid. A big shout out. Les Zerglings ici qui vont se repositionner. Le gros shootout. Là c'est très compliqué pour 2000 Love parce que si jamais il essaye de poser B3, il va vraiment se faire sanctionner par les Banshees. Tu vois que là c'est pas du tout B3, il a compris que c'était Banshee, il veut faire un face muta. Alors face muta c'est pas mal, ça peut vraiment le faire contre un départ Banshee. Tout dépend jusqu'à quel stade est-ce que le joueur en fait Terran s'enfonce, à quel moment est-ce qu'il envoie son follow. Hop papy. Là pour le moment on va attendre la fin du T2 pour vraiment certifier, mais on a le Batabanning aussi qui est posé.
Et en tout état de cause, hein, je vois que la Spire qui pourrait pop à la fin de ce T2. Ouais, c'est un rapide Spire ça, mais du coup il va se retrouver dans la position délicate du gymnaste qui est en train un petit peu de faire son grand écart. Tout à fait. Et qui doit du coup jongler entre le moment où il tape le grand écart technologique et le moment où il saute au-dessus de la poutrelle. Ouais, et là il perd quand même énormément de temps de minage, les amis, hein, plus qu'une histoire de drone. Attention, les drones là qui commencent à se faire attaquer. Belle flamèche. Il a failli perdre encore plus, mais ça ira, ce sera modéré. Oh, deux autres. Allez, faut, non, il y a des Zerglings ici, okay. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Worker, ce sera tout. Il perd du temps de minage minerai mais aussi du gaz, hein. Et donc du coup pour sa Spire c'est très compliqué. La Spire qui a été scoutée, on envoie la banshee avec le cloak. On rajoute... Putain, TJ il s'en tape mec. Il rajoute ses deux IB avant les deux baraquements additionnels. Ce qui est bien la preuve qu'il en a strictement rien à foutre des mutas les mecs. Comprenez bien ça. S'il était en stress il aurait d'abord ajouté les deux baraquements puis les deux IB. Là il continue son développement mais comme si de rien n'était. Il sait que de toute façon les mutas vont être réquisitionnés pour choper la Banshee. Donc il sait qu'il a du temps devant lui. C'est joli. Mais c'est un peu un manque de respect quand même. Mais c'est joli. Il a confiance dans ses acquis Anos. C'est ça. Et il souhaite capitaliser sur son skill supérieur. Mais comme tu l'as dit, effectivement, il n'est pas stressé outre mesure par cette aiguille. Et du coup, ne part pas tout de suite en mode full marine. Ouais. On vient scouter ici de la part de 2000 Demilov qui voit tous les bâtiments, qui voit l'opening mine, qui a vu également le double eBay qui travaille. Les mines, ça s'est très bien joué par contre de la part de Teja. Teja qui a quand même payé une tourelle dans chacune de ses lignes de minerai pour pas faire trop le foufou. Il a le 1-1 qui est ambiancé. Donc là Teja il a vraiment beaucoup d'avantages dans cette partie. Il faut vraiment que les mutas fassent du dégât. Oh les deux mines ici, je sais pas pourquoi mais je sens qu'elles vont faire un carnage. Allez. Bon. Eh bien Ça c'est gratuit. À plus tard. Comment? On se revoit dans 3 minutes. Et la B3 qui est attaquée avec la Banshee. Ouais, il s'est bien fait recoiffer de Milob sur ce coup là. Et les doubles mines qui ont full connecté en mode zéro pitié. Et une Banshee qui va également venir divertir un peu ses métalliques. Donc là pour le moment la Teja qui est vraiment full royal. Full royal, full solide. Ouais. Les mutas. Oula, c'était Sandro. Big up à Nosferatu, big up Midas avec ses problèmes de frein. Bon enfant, love, pomf. Merci beaucoup Sandro, gros bisous à toi. C'est vrai que Midas Touch est très actif, sur le chat. Ouais. Une petite dédicace à Midas et à Funka aussi. Bien sûr. Allez, l'armorie ici qui a été envoyée, les demi divacs qui sont là, on a le 1-1 qui va se terminer. Le speed planning aussi qui est bientôt prêt. Les mines qui font mal quand même. Tous les mutas qui sont forcés d'engager les marines, il va tout perdre. Il va les donner ces mutas là, je crois qu'il se rend pas compte. Oh là là là. L'abandon. Ah là là. Le mec abandonne. Simplement. C'est vrai. C'est triste. Ça manque de. Ah bah là, y a pas toute la Ça game. Manque de sel et de poivre. Comment ça, c'est un peu fade au goût. Il a pas vraiment essayé. Bon, il y a des vrais games après Kerry ou c'est que des no match? Il y a des vrais games après ou il y a que du no match toute la soirée? Après, il y a un Indien Kerry qui n'a pas vu les replays, qui s'en fout en fait, Kerry. Ouais, c'est vrai. Kerry qui est là, qui dit bah non, regarde, il joue là. C'est du StarCraft. Il y a des mines, sur les mines, ça nous quoi. C'est ça le temps. Allez, c'est parti, on est ambiancé. Bon, alors, c'est les quarts de finale, voilà, pour le moment, il y a un peu de tout, hein, de tout et de rien surtout aussi. C'est ça. Mais on a vu déjà qu'il y a un parting qui est passé. Oui. Il y a juste avant, c'est Saxry. Ouais. Là, on a un Teja qui est sur le bio. Qui est sur l'offensive. Donc, on devrait avoir un petit Teja parting ou un petit Teja Saxry. Voilà. Et là, par contre, papy, on va commencer. On va commencer à rigoler. Voilà, à sentir le goût. On va commencer à bouger. Manger, bouger, bien sûr. À sentir le croquant. Et du coup, on est parti sur Luxuriance. Ne vendons pas la peau de l'Indien avant de l'avoir tué, bien sûr. Ah, ce truc, quand même, il me perturbe. Voilà, c'est donc... 2000 love qui a demi-prix, hein, quand même. Là, juste avant...
D'aucuns diraient qu'il s'est fait refaire le boule. C'est ça. Et évidemment, en toute amicalité, hein, mais il s'est fait souiller quand même. C'était assez dur à regarder. Alors, on va voir si sur cette Game 2, les choses vont rester sous cette forme très 50 Shades of Grey, ou si, comment, nous allons un peu évoluer vers... façon 50 Shades. Voilà, un sexe un peu plus, comment dire... Dans le respect. Équilibré, voilà, entre les deux protagonistes. C'est ça. Allons, on repart ses efforts du côté de chez Teja. On va pas parler de manque de respect, mais on sent quand même qu'il est là. On n'en parle pas, mais tout le monde l'a vu. On n'en parle pas, mais tout le monde l'a entendu. C'est ça. Et ouais, non, clairement, bah, le CC First, ça témoigne, comme tu le dis, voilà. Il se dit, en tout cas, le mec en face, c'est pas le plus énervé de tous. On va commencer par prendre B2, on verra après. Ouais, par prendre un bon avantage dès le début. Il me fera pas de 8 poules, il me fera pas de bending bust. C'est, je sais que je cours plus vite, mais je vais quand même prendre 30 mètres d'avance dès le départ, histoire de vraiment être sûr que le mec reste bien derrière. C'est une stratégie. Allez, le petit collecteur ici qui est sorti. Cela, si on était dans une course de fond, les amis, faut comprendre que Teja, c'est le Kenyan. C'est-à-dire, c'est le mec où même si on te donne 100 mètres d'avance, tu ne le rattraperas pas. Tellement... Bah, faut dire aussi que les Kenyans, je crois, ils s'entraînent. Il y a un peu moins de... Tu sais, c'est ce truc de la hauteur, là. Je crois que les Kenyans sont très forts. Voilà, parce qu'ils sont en aptitude. Et donc, du coup, il y a moins d'oxygène. Donc, ils s'entraînent avec moins d'oxygène dans l'air. Ouais. Et donc, du coup, après, quand t'arrives au JO ou quoi, bah, t'es... Ta masse oxygène. Ouais, tes poumons, ils sont communs. En une bouffée, j'ai tout ça. C'est du LSD. Bah, attends, mais papy, on va jusqu'en Amérique. Comment? Et donc, les mecs, ils poutrent. Même si, bon, t'as des Africains du Nord aussi qu'on voit bien du fat. Hein. Attention, ici, on a donc le petit collecteur qui va repartir. Double orbital, évidemment, qui est envoyé par les deux joueurs. Et très standard de la part de, j'allais dire de demi-molle, mais je me suis retenu. Du coup, je la sors, je la trouve marrante. Du coup, tu l'as dit. Voilà, de demi-love. Et ouais, pour le moment, c'est tradit. On va envoyer rapid feeling quand même. On a coupé les workers au gaz. Et du coup, potentiellement une B3 ouais. Posée par notre ami demi-love. À 6 minutes, tentative de la joue standard là pour demi-love. Teja va-t-il laisser faire? Là est la question. Attention, on renvoie un petit dépôt au niveau de la B2. Teja qu'envoie le pot 2. Et peu de zergling pour le moment. Hein. Pas vraiment de prévu d'en faire le bon demi-molle. Ouais. Ouais, ouais, non, clairement. Récupérer le map control, pas se faire jambonner, mais du coup, voilà, hein, quand même, un speedlink qui ne va pas servir tout de suite. Et du coup, peut-être une B qui aurait pu être posée avant. Du coup, il va la poser à 6 minutes. Ouais. Pourquoi pas, ça n'est pas sale. Sur le chat, n'hésitez pas à balancer vos pronos. 2000 contre Teja. Qui va gagner? B3 qui est envoyé ici par le joueur de la Team Liquid. Ouais, et le scout ici hein, qui vient pour voir avec l'orbital, donc ça c'est bien joué. On rajoute deux queens du côté de chez demi-love. Et le scout qui va voir la B3, qui va voir l'orbital, qui voit qu'il n'y a pas de spatioport pour le moment. Par contre, on voit qu'il y a un deuxième gaz de prix là tout de suite derrière. Donc bah, il peut y avoir un spatio qui peut être posé maintenant. Mais là, on le voit pas, donc écoute, faut croire qu'il devrait envoyer la double IB tout simplement, et puis envoyer le 1-1. Mais c'est marrant parce que les joueurs posent souvent la jeu comme ça, alors que quand on voit double IB, j'ai fait plusieurs tests, t'es pas obligé de prendre ton deuxième gaz aussi rapidement. T'as les 200, même après avoir envoyé le Steam, parce que t'en vois rien d'autre. Bon, c'est un peu technique ce que je dis là, mais vous voyez là, la double IB est envoyée, il a aucune possibilité de dépenser du gaz vu qu'il n'a pas de spatioport. Et vous voyez qu'il aura largement ses 200, donc tu peux comment dire. Tu peux gratter un peu cette prise de gaz ici. Je suis sûr que tu peux bien délayer de 10-15 secondes sa prise de gaz parce qu'il aura 100 de latent. Allez, double champ de qui est posé. Ouais. Quelques zerglings sur le plateau, mais pas de quoi surrendre quoi que ce soit. Hein. On n'a que 8 zerglings, donc contre 4 Hélions, ça ne fera pas le taf. Ouais. Et le Bata Belling qui a été posé qui vient d'être scouté. La double chambre d'évolution qui vont être activées aussi.
choses que je suis pas sûr qu'il les avait la game d'avant. Non, 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 il les avait pas vu qu'il avait face Muta. Là, là, on est pas mal hein, pour 2000 love, hein, les amis. On est pas mal. C'est un départ plutôt standard pour les deux joueurs. Tedja n'est pas en possibilité, comme tu l'as dit, de faire vraiment du gros dégât, hormis avec ses tourmenteurs. Mais bon, normalement, c'est quelque chose que 2000 love, il serait pas à ce niveau-là s'il n'était pas capable de gérer ses tourmenteurs à 8 minutes 30 de jeu. C'est plutôt pas mal. Là, on va dire que 2000 love, il a la possibilité de poser son jeu. Il a la possibilité de nous montrer ce qu'il sait faire. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'il a eu le luxe. Enfin, tu vois, qu'il a eu à la game précédente. C'est pas un luxe qu'il a eu. Donc là, il l'a. C'est ça. Il s'est pas fait bourrer dans les 5 premières minutes. C'est voilà. Ça qui est important de voir. C'est ça. C'est qu'il a pas, il a pas perdu. Donc là, il a quand même 52 collecteurs. Bon voilà, ça va jouer à la micro et tout. Maintenant, faut être honnête aussi. Hein, la problématique quand vous jouez un Tedja et qui vous amène dans ce type d'équation, c'est qu'il est tellement bon à la macro Tedja que normalement, ça fait pas vos affaires non plus. Mais bon, faut laisser le doute. On connaît pas bien 2009, donc on verra. C'est ça, tranquillement, sur une petite détonation de Benling, ça peut changer des choses. Ouais. Si Elion de Tejja qui viennent récupérer du map control, et cette troisième base ici qui va commencer à miner, ça c'est la prochaine target de notre ami indien. Ouais. Il va falloir qu'il vienne sanctionner. Il ne peut pas laisser cette base miner, c'est impossible. Le creep qui a bien été étendu sur le flanc droit, c'est très bien joué parce que c'est vraiment une zone qui est très importante. Limite pour cette partie de la game plus importante que devant. Ça peut paraître paradoxal mais c'est franchement le cas. Donc très très bien joué de la part de 2000 love qui 10-30 là va presque atteindre sa première Xen Naga. Donc ça c'est une bonne chose. Parce que c'est un des points qu'il faut profiter les amis quand vous êtes Zerg et Golter, n'attaque pas, hein, c'est vraiment de travailler vos cryptumeurs. Parce que sinon derrière vous allez vraiment vous faire déborder quand toute l'armée sort et vous aurez peu de map control. Là encore une fois c'est un bon point pour 2000 love. Il envoie sa Spire. Le speed de. Ouais il a été enlevé le speed banning. Non non c'est ça c'est ça normalement c'est contrat par exemple. Ouais. Allez 2000 love, envoie du fat papy. Allez tu peux le faire poulet. Le 2-2 par contre là qui n'est pas envoyé pour demi. Hein. Et on va avoir du coup, alors on va avoir du 1-1 comme tu le dis, quelques bellings en production. On est à la moitié sur les crochets centrifuges, mais on a l'info que ça vient. Et du coup, le qui est ambiancé de la part de Tejja. Tejja qui va y aller, qui va chercher la creep tumeur, qui va double scan ici. Ouais, je pense qu'ici il vient juste pour le creep et il va se barrer. Ah non, il y va, il en a rien à foutre. Je pensais vraiment qu'il viendrait que pour le creep. Bâtonnet Lyon, on va envoyer la sauce. Oh il y a quand même beaucoup de banning. C'est dommage qu'on n'ait pas les crochets, Ponf. Dommage. Encore 10 secondes. 10 secondes avant les crochets. Wow, il va prendre cher là, je pense quand même, Tedja. S'il attend les crochets, il va prendre cher. Attention de ne pas perdre cette chambre d'Evo quand même. Ce loté, il l'envoie à la bourre. Gratuité. Allez, la Tedja qui se prend un petit bain d'acide. Boum, boum, boum. Et attention, est-ce que ce sera suffisant? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé, la Ponf? Il a donné. Non, attends, remets la prise de fight, vas-y, viens, on sent qu'on comprenne. Donnez-moi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'avec autant de banning, il a réussi ? Ah bah, donation, là. Parce qu'après, les gens vont croire. Là, c'est Asos 1901. Regarde, l'important, c'est de focaliser sur les maraudeurs, les amis. Regardez les deux maraudeurs. Enfin, il n'y en a qu'un seul. Il y a un deuxième en haut. Il a dû prendre pas mal de coups. Mais non, mais là, il a bougé. Il n'a pas tapé ces troupes-là. C'est ça. Il a mis trop de temps à taper avec ses bannings. Du coup, les pattes, les lions ont tapé les bannings plus les erglings et ont fait extrêmement de dégâts. Là, très bien joué de la part de Tedja, même si c'est plus une erreur de 2000 hommes, je trouve. Encore de partie de pâtisserie organisée. GG. Oh, la blague. Ouais. Ah, il s'est fait cuire le croissant sur ce coup-là. On passe d'un an, mais il est bien avec les crochets centrifugaux à GG. Ça, mec, c'est quand même dingue. C'est là où tu vois la différence de niveau dans StarCraft 2. Hein. Enfin, où tu vois. Là, je sais que vous ne me voyez pas, mais du moins pour la game. Vous l'avez vu. Comment pendant que nos deux réalisateurs... Oh, c'est pas mal. Bah, ce carré se bouffe. Ah non, toi, t'es heureux. Ok. De toute façon, les gens savent qu'on est là, tu vois. Donc bon, c'est vrai. Comme là, ça, toi, tu te fatigues le pas les yeux. Ouais, c'est ça, espèce de crevard. C'est pénible. Ils pensent pas à vous, en fait. C'est qu'il y a deux gros spots. Faut dire la vérité. Tell the truth. Il y a deux gros spots et ça fatigue les yeux. Et là, Ponf, il se met bien comme ça. Le patron n'a pas les yeux fatigués. Écoute, il est dimanche soir. Le mafieux. On est bien, on est tranquille. Allez, on est à 2-0 pour Tedja. C'était rapide, c'était. C'est sec, hein. Ah, ça se bouffe comme un cheese, un poulet. C'est fait pour fondre. C'est fait pour. Ah, il a pris cher. Cher dans le cheese. Ah, c'est vrai que maintenant que tu rallumes, hein, t'as on vu, Friday, j'ai envie de chanter du Rihanna. Et donc, du coup, les deux prochains matchs, ce sera Parting versus Saxri et Gumiho qui jouait le quatrième quart de finale. Versus Tejja. Donc, on va avoir du fat. Ouais, le niveau, quand même. Mouah.
On passe au deuxième. Parting Saskri, ça va envoyer vénère. On passe au deuxième level. Du coup, on va faire 10 petites minutes, mon petit Yata, et on se retrouve juste après. Il y a un petit reboot du stream pendant la pause, on s'excuse, 2-3 choses à régler, et puis on est bon. Ouais, tout à fait, on vous retrouve juste après pour plus de skills, plus d'amusement, plus de rigolade. A tout de suite, les amis.